Salut les viewers, c'est Marcus Bolus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, toujours dans le Robocraft Day, chers amis. Je n'ai pas plus d'informations sur la date de retour de la tour, ce qui est pour moi une véritable catastrophe. Je commence à être assez énervé vis-à-vis de la façon dont les choses se passent. Toujours dans le Robocraft Day, je n'ai toujours pas de nouvelles de Free Jam. J'ai envoyé, renvoyé, j'ai essayé de les recontacter, recontacter. Non, sans difficulté, soyons honnêtes. Hop, voilà, t'apprendras. Prendre une arme de noob. Tu ne peux pas viser les armes. Moi si. Allez. Hop, voilà. Ça c'est fait. Donc oui, j'ai tenté de recontacter, recontacter Free Jam. Je n'ai aucune nouvelle de leur part. Et quand je dis aucune nouvelle, je veux bien entendu dire zéro, que dalle, nada. Hop. Ok. Voilà qui devrait être bon. Si nous sommes complètement à court d'énergie. Hop. Voilà, c'est parfait. Je devais baisser le son du jeu. Faut absolument que je pense à le faire avant la prochaine partie. Hop. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Il y en a un qui vient. Hop là. Ok. C'est fait. Ok. Nombreux là. Faut mieux faire la fuite. Hop. Oh, j'ai été touché par quoi? Qu'est-ce qui m'a touché? Off. Ça m'énerve. Ça m'énerve ces trucs là, chers amis. Pour vous dire, il y a deux épisodes que j'avais tourné hier soir. Un épisode de construction et un épisode de utilisation du robot en question. Je les ai complètement supprimés tellement ça m'a énervé cette partie. Pour vous dire. Pour vous dire. Oh là là. Ça va vous faire une idée de la qualité de cet épisode. Plutôt du manque de qualité. Oh là là. Ça m'avait mis littéralement hors de moi. Est-ce que quelqu'un peut toucher cette saloperie? Avec des lance-missiles, avec tout ce que vous voulez. Oh là, trop nombreux par là. Pas tout à fait mon genre. Aïe. Oh mais. Sac à purin. Et en plus on voit pas quand il tire, ça me saoule. Ça me saoule, chers amis. Honnêtement, ça m'énerve. C'est un petit peu trop tôt pour avoir fait ça. Allez. Je vois pas les canons avec lesquels il tire en fait. Ah dommage. Finis-le. Ah merde. Oui. Oui, c'est bon, il l'a fini. Merci l'ami. Je te remercie, incredibly lucky monsieur. Voilà, c'est dit hein. Merci de m'avoir vengé. Donc il semblerait que les gens utilisent les fameux proto-seekers, on va dire comme une espèce d'arme de longue distance permettant de continuer à faire des dégâts lors de la chute d'un robot ennemi en fait. Par exemple un ennemi volant qui chutera. Je touche pas.
Ils l'ont eu, GG. GG les mecs. Eh non. L'objectif c'est que tu te régènes pas. Hop. C'est l'ami. Il y a du monde par là. J'aimerais si possible ne pas me laisser embêter. Hop, yo. What's up, bro? What's up, bro? Nope, access denied. Un peu trop de monde là. Il a déjà régène lui? Ils ont récupéré une tour? Comment ça se fait? C'est pas celui-là que j'aime buter? Mais si, c'est celui-là que j'aime buter avec les trucs à l'arrière là. Étrange. Étrange, étrange. Véritablement très étrange. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas après tout hein. Moi ça ne me dérange pas. Ok, bon. Merci de me laisser revenir, c'est toujours agréable. Hop, on va filer en ligne droite. On va taper dans le tas et on va filer en ligne droite. Vadim! Vadim! Ya! Voici Vadim! Hop là. Hop, oh mais non, je pousse dessus. Sur la hauteur de... Oh bah, ça c'était pas prévu. Ça je veux bien l'admettre, c'était pas prévu. Hop. Non, te retourne pas encore. Ah, allez vas-y, hop, parfait. Et je te suis l'ami. Je crois qu'il y avait un machin volant là-haut. Ok. Hop. Hop. Non. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Oh. Oh, il y a eu contact. Y'a contact! Mais putain! Jeu de merde! Jeu de merde! Y'a contact! Je lui rentre dedans! Si je rentre dedans, c'est qu'il y a contact! C'est ça le principe! Pourquoi ça fait pas de dégâts? Me dis pas que j'avais pas d'énergie, ça faisait une demi-heure que j'avais pas tiré! Oh, c'est débile! Ah, j'aurais tiré dessus que j'aurais réussi à. Je serais resté en fait! Ah, c'est débile! Il est rigolo ce truc là. J'aime bien. J'aime bien. J'avoue. Ok, c'est parti, on y retourne. Ah, mince alors. J'aurais dû l'avoir. Vu le nombre de fois que j'ai tapé dedans. Enfin, dites-moi, chers amis, si je me trompe. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un peu moins de largeur sur le truc et un peu plus de longueur pour être sûr de toucher. Ah bah, c'est bon, victoire. Bon, bah, écoutez. Eh, c'est toujours ça de prix, hein. Donc du coup, j'avais utilisé, oui, de vrai, d'ailleurs, j'aurais peut-être pouvoir en mettre une. J'y réfléchis là, maintenant, mais... Peut-être pouvoir en mettre une. On a gagné 1 million. Bon, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Sans réfléchir à ça, mais... Est-ce que je pourrais pas mettre une... Alors déjà, est-ce qu'il y a un intérêt à en mettre plusieurs? Ça se trouve, il n'y en a plus un intérêt à en mettre plusieurs. Est-ce qu'il y a un quelconque intérêt? À part plus de chances de contact, forcément, je me doute. Nominal count 2. Vous voyez déjà, techniquement, on a une en trop.
techniquement j'en ai une en trop. Hop. Voilà. Ce qui me fait gagner quelques points. Ce qui me fait gagner quelques points si je supprime ça. Puis ça. C'est pas ça que je voulais couper, mais à chaque fois je me fais avoir. Ok. Hop. Donc je rappelle pour ceux qui me le demandent toujours, c'est la touche, pour moi c'est la touche X qui fait mirror à la ligne au fond. Hop. Ok. Alors. Est-ce que je finalise cet endroit là? Oui, peut-être quand même. Hop. Je finalise ce que je peux, on va dire. Crac. Parfait. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Donc là, actuellement, j'ai 1231 points. Ce qui fait que j'ai un total de 184 points disponibles. Si je me trompe pas, hein, 84 points disponibles, ce qui fait que je n'ai pas de quoi mettre un blink ou encore dessus pour l'instant. Du coup, je pourrais peut-être en profiter justement, c'est ce que je voulais dire, pour rajouter une arme. Une arme que j'avais achetée pour un précédent vaisseau, précédent robot. Hop. Et qui pourrait être efficace après tout. Ça, c'est très très moche. Ça, c'est très 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 moche. Soyons honnêtes, chers amis. Et surtout ça pèse lourd. Surtout ça pèse lourd. Hop. Donc si je fais ça plutôt. Peut-être une petite suffira. Qui permettra de faire des dégâts à longue distance. Hop. 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 Et hop. Voilà. Je pense à mettre cette fois-ci un petit peu de mirror. Et puis voilà. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Bon. Bon, bon, bon. Bah écoutez, on repart avec. Ah, est-ce qu'on... Oui, on repart avec. Allez, hop, tant pis. Battle Arena. Hop. Et je vous retrouve tout de suite dans la partie. A tout de suite. Voilà, re, chers amis, sur notre map, en plus, c'est génial. Hop. Born in the USA. Remarque, je vais avoir plus de mal à me tourner maintenant. Qu'est-ce que... Ah, j'ai du poids à l'arrière, apparemment. J'ai beaucoup de poids à l'arrière. Apparemment, cette arme pèse extrêmement lourd. Combat! Hop. On va se mettre là. Donc j'ai fait une erreur, hein, c'est, ça arrive, mais au meilleur. Surtout au meilleur. Hop. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'a fait autant de dégâts? Ok. Ok. C'est moi. Hop. Ok. Donc c'était une erreur cette arme de la poser en tout cas ici. Elle. J'aimerais bien me taper un repop moi ici. Spotted.
Ça me changerait. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Quoi ? Ouais, il s'est retourné sur le côté. Donc, mauvais choix d'armement, chers amis. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Mauvais choix d'armement, ça va me coûter cher cette partie. Et au niveau du placement, je pensais pas qu'elle pesait aussi lourd cette arme. Alors, quand on voit des grosses armes. Alors, chers amis, c'est ça en fait le jeu. Des grosses armes qui n'ont pas de PV, des petites qui sont en fait extrêmement lourdes. Parce que là, je sais que si je décolle, là, c'est la fin. Hein. Voilà. Youhou! C'est la fête! Et on fait la brouette! On rit comme des beaux et on dégueule en le caniveau! Allez! Pas ta pute, jeu! Allez! Allez! Allez, j'y suis presque! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Oui! Non! Allez! Allez, Simone! Allez! Allez! Pose-toi! C'est bon! C'est bon! Il va falloir que je descende la côte tout doucement! Tout doucement! Tout doucement! Non! Trop vite! 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 Bien! Trop vite! N'empêche qu'avec tout le mal que j'ai à l'heure actuelle, j'arrive quand même! Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'il me dit ? Quoi ? Je souffre, chers amis. Je souffre du codage par les... Enfin, oui, fait par un... Enfin, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais dire plutôt ça comme ça. Un fœtus in utero arrivera mieux codé avec ses pieds pas formés hop que les développeurs du jeu donc. Pardon, pardon, casse-toi. Casse-toi s'il te plaît. Hop. Voilà. Excuse-moi l'ami. Merci. Quelle gentillesse de ta part. Franchement, là, je suis véritablement ému. Viens, sors ta tête. Viens, je t'emmène. Hop, les casse-toi. Non ! Putain ! Jeu de merde ! Ouvre-moi! Ça fait mal! Tu pourrais m'aider? Avec des vraies armes pour l'empêcher de tirer? Hop, merci! Hop. Hop, vise les armes. Vise les armes. Vise l'armement. Vise l'armement.
Vise l'armement, heal-moi au pire. Merci. Encore un peu. Non, c'est bon, je suis à 100%. Je l'ai trouvé assez. Hop. Ok. 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 Aïe. Bon, je me demande ce que faisaient mes potes en fait, littéralement. Ah bon, quand je vois le genre de robot auquel on a affaire, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions, mais bon, c'est pas grave. On a encore 15 secondes. C'est une façon de faire, effectivement, hein, mais... c'est une façon de faire. C'est littéralement une façon... C'est quoi? C'est un mécano ce machin? Ok. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Non, descends pas trop vite. Oh, descends pas trop vite. Oh, t'en as lourd. Fais gaffe. Marcus. Les descentes, c'est mon plus grand point faible. Non, pas trop vite. Repose-toi. Pas trop vite. Oui. Spotted. En fait, soit je continue comme ça, soit je mets un propulseur à l'avant. Spotted. Mais ce qui annule complètement le principe du hover, hein, donc ça veut dire que je peux enlever les hovers à l'intérieur, Omar. Alors. Spotted. Y'a pas un qui peut pop ici là? Hop là! Wouhou! Suffit de demander! Eh oui, je suis coincé. Hop! Visez l'armement. Voilà. Oh, dommage. Dommage. Bon, bah victoire quand même, chers amis. Eh bien écoutez, on va enlever cette saloperie derrière moi, parce que ça bousille complètement le principe du robot. Hop. Voilà. On va voir combien de points qu'on se fait. Si on peut se faire 500 000, ce serait pas mal. Même si j'ai un petit doute, je pense plutôt qu'on va se faire 300 ou 400 000. Ouais, 500 000. Bon, bah écoute, c'est tant mieux. Écoutez, je vais pas me plaindre. Ça fait si lourd que ça, ce truc-là. De toute façon, c'est pas mes réacteurs d'appoint qui faisaient le plus gros merdier. Donc là, à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu moins de 200... Non, j'ai plus de 200 points, excusez-moi, j'ai mal compté. Oui, j'ai plus de 200 points, j'ai pratiquement 300 points. J'ai, si je me trompe pas, 284 points. Donc je pourrais me mettre un blink ou n'importe quoi plus tard en fait. Ça là. C'est pilote 285. Je crois qu'à un cube près, j'aurais pas ce qu'il faut. Mais bon, j'aviserai le moment venu. J'aviserai le moment venu. On verra bien. Ok. Bon, et bien écoutez, moi c'est là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom de votre île dans la mer de la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à partager les vidéos et à vous abonner à son deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. Je ne vous en remercierai jamais assez d'ailleurs. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.